Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, shalom à nous, shalom, shalom, shalom. Ce matin, je suis encore là. Nous sommes là ensemble pour passer du très beau moment dans la présence de Dieu. Nous voulons passer du temps, nous voulons passer du moment dans la présence de Dieu ce matin. Que Dieu te bénisse, et toi qui es déjà connecté ce matin, je voudrais aussi te demander une faveur, si tu peux juste partager la vidéo pendant que nous autres nous sommes en train de parler, que tu partages, que tu invites une personne à se connecter à ce programme matinal. Il y a quelqu'un qui doit se réveiller, il y a quelqu'un qui doit se joindre à nous, quelqu'un avec qui nous devons prier aujourd'hui. Tu connais cette personne, est-ce que tu peux l'inviter? Est-ce que tu peux inviter cette personne du lit, que le temps est déjà là, donc ce n'est plus le temps de dormir. Nous devons nous réveiller pour prier. Élève-toi là où tu es, et invite une personne, ma sœur, cherche une personne à inviter. Demande à une personne de se connecter, demande à une personne de rentrer avec nous en prière, parce qu'il y a quelque chose que Dieu a prévu, quelque chose que Dieu va faire dans la vie de cette personne-là. Est-ce que tu peux l'inviter? Est-ce que tu peux l'inviter? Invite une personne. Je disais que j'attendrai que tu invites une personne, une personne de plus s'ajoute encore dans ce programme matinal. Nous voulons passer du très bon moment dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia, merci, 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 shalom à toi, ma soeur, merci, 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 shalom à toi, mon frère. Oh, alléluia, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie de te voir ce matin. La joie est grande pour nous. Nous bénissons Dieu pour ta présence. Alléluia, le meilleur est pour toi aujourd'hui, ma soeur. Alléluia. David a dit, c'est une journée que l'Éternel Dieu a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Je vous ai dit, quand tu te lèves pour prier, Dieu se lève pour agir. Alléluia. Je disais à quelqu'un, je dis, lorsque tu te lèves pour prier, il faut savoir que Dieu aussi se lève pour agir. Alléluia. Tes genoux peuvent t'amener plus loin que tes pieds. Alléluia. Là où tes genoux sont capables de t'amener, tes pieds ne t'amèneront pas, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je voulais dire que la prière est capable de t'amener là où aucune personne ne pourra t'amener. Donc, la prière est capable d'amener la main de Dieu à intervenir dans ta vie. C'est pourquoi je disais ce matin que nous sommes là pour passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Dieu a décidé de faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. La vérité que tu vas connaître encore aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur t'affranchira. Je disais que la vérité que tu connaîtras aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, t'affranchira. Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je déclare dans ta vie que la vérité que tu vas reconnaître aujourd'hui va t'affranchir. Quel que soit le domaine dans lequel tu étais dans la captivité, laisse-moi te dire, nous allons nous servir de la parole de Dieu aujourd'hui pour surmonter les attaques du diable dans ta vie. L'ennemi ne dominera plus sur toi, bien-aimé dans le Seigneur. J'ordonne ce matin que tout ce qui était mort dans ta vie se ressuscite au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la fécondité spirituelle dans ta vie. Alléluia. Je prophétise la fécondité spirituelle dans tes finances. Je prophétise la fécondité spirituelle. Que cela soit mon partage, que cela soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu as invité quelqu'un ce matin? Est-ce que tu as invité quelqu'un? Est-ce que tu permets aussi que moi aussi j'invite? Je vais juste partager la vidéo sur ma page. Oui, je vais juste le mettre sur mon compte Facebook, juste comme ça. Et puis après, on peut commencer, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit encore, apôtre, nous, quand on rentre, c'est surtout sur ton compte Facebook, mais parfois on n'arrive pas à le trouver. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, et abonne-toi, bien-aimé dans le Seigneur, sur ma page. Donc, faites abonner beaucoup de gens sur la page, comme ça va pas nous perdre du temps pour aller encore commencer à inviter avec le compte. Donc, nous allons beaucoup plus travailler avec notre page. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Voilà, aujourd'hui, j'apporte un bon message, j'apporte un bon message. Nous voulons parler de maisons ou des habitations hantées, d'accord? De maisons ou de maisons et terre hantée, donc c'est-à-dire maison ou de terre hantée, donc les habitations de démons, des habitations matérielles de démons.
Alléluia. J'avais dit la fois passée dans le livre de Matthieu, chapitre 12, le verset 42, 43, 44, la Bible nous dit quand un esprit impur quitte un endroit, il va aller dans le lieu aride et là, il ne trouve pas de repos. Qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, d'accord, je vais retourner dans ma maison pour voir la situation actuelle. Donc il va faire le mise à jour. Hier, tu l'avais chassé, d'accord, bien, c'était très bien parce que tu étais dans la présence de Dieu. Dieu était avec toi, tu as invité la présence de Dieu. Dieu est rentré dans ta vie, d'accord. Et le démon a été obligé de quitter son territoire, d'accord. Et là, il est parti. Mais la Bible nous dit que quand il part, il va aller là où nous appelons le lieu aride, c'est-à-dire que là où il n'y a pas de repos. Vous devez savoir que lorsqu'il y avait guerre dans le ciel, la Bible nous dit, le démon, et ils ont été chassés de la présence de Dieu. D'accord? Donc, des esprits célestes qui ont été séduits par Satan, d'accord? Qui croyaient que Satan allait détrôner Dieu et qui croyaient que Satan allait prendre le pouvoir. Ils ont été déçus de voir que lorsque Dieu a envoyé Archange Michaël, Archange Michaël fut très puissant et très fort que le diable. Alors, il a précipité Satan de la présence de Dieu et ils l'ont chassé de la présence de Dieu et ces esprits ont été chassés avec le diable, d'accord? Et maintenant, ces esprits n'ont pas d'endroit pour habiter. Donc, ils cherchent des lieux, ils cherchent des personnes, ils cherchent des endroits où ils doivent habiter, d'accord? Et quand tu prends la possession d'une personne ou d'un endroit, et ils se sentent en sécurité. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand toi, tu viens, tu le chasses, tu les envoies dans un lieu où, et ils ne sont pas en repos. En fait, les esprits, en dehors des hommes, d'accord? Ils se retrouvent dans le tourment. Et voilà, bien aimé dans le Seigneur, donc ces esprits, ils vont aller dans des endroits arides où il n'y a pas de repos. Et là, chaque jour, ils vont revenir dans ta vie pour faire les check-up. C'est-à-dire qu'ils doivent faire le mise à jour pour voir un peu est-ce que cette personne qui nous a chassés, maintenant, il a changé sa manière de vivre ou bien il est toujours dans le péché. D'accord. Et aujourd'hui, je voulais pas parler des hommes. Je voulais parler beaucoup plus des maisons et ou des terres hantées. Vous savez, j'étais en train de parler avec un de mes fils spirituels, un papa que j'aime beaucoup, un papa pour qui j'ai beaucoup de respect, un homme que j'apprécie dans mon ministère. Nous étions en train de parler de son cas. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis qu'il a acheté une maison, depuis qu'il a changé d'habitation, c'est comme si la nouvelle habitation a des problèmes. Donc la personne n'était jamais malade, mais depuis qu'il a déménagé, à chaque fois qu'il se retrouve malade. D'accord? Donc alors maintenant il ne comprend pas est-ce que il y a un problème dans cette maison où il y a un problème avec la terre dans laquelle je commence à habiter parce que lorsque j'étais dans une autre terre il n'y avait pas de problème mais depuis que je suis venu dans cette terre-ci c'est comme si j'ai tout le problème du monde. Alléluia. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils te diront, apôtre, moi, quand j'étais en Afrique, j'avais une bonne vie. Tout allait très bien dans ma vie. D'accord? Mais depuis que je déménageais, depuis que je suis venu en Europe, c'est comme si je suis devenu une autre personne. Je connais des difficultés, mais dans une dimension où tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais à travers de ces messages montrer à quelqu'un, les esprits ne peuvent pas simplement habiter les corps d'un homme, mais les esprits peuvent aussi posséder une terre. D'accord? Ils peuvent aussi posséder, comment dirais-je, une maison. Il y a des maisons que nous devons prendre possession. D'accord? Tu es venu, tu habites cette maison. Mais bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as eu déjà le temps de prendre la possession de cette maison? Est-ce que tu as déjà eu le temps? Alléluia. Est-ce que tu sais ce qui s'est réellement passé dans la maison que tu habites aujourd'hui? Alléluia. Il y a des maisons qui étaient des habitations de démons avant que toi tu n'arrives. Alléluia. L'argent avec lequel on avait acheté cette maison-là, ou à l'argent avec lequel on avait construit cette maison-là, c'était l'argent du sacrifice. Il y a une vie qui a été sacrifiée pour que cette maison soit achetée. Alors cette vie-là qui a été sacrifiée, elle est la propriétaire de cette maison-là. Cette personne-là habite spirituellement dans cet endroit-là, donc c'est sa terre. Alors quand toi tu viens, ma sœur, il faut que tu commences premièrement à les déloger. Tu ne peux pas posséder quelque chose sans avoir dépossédé la personne qui l'a possédé avant toi.
D'accord? Donc, cette entité spirituelle, cet esprit de mort, et se retrouve comme étant l'homme fort de la maison, parce que c'est par son sang que la maison a été achetée. D'accord? Bien-aimé dans le Seigneur, il est important. C'est pourquoi la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Regarde à ta vie. Il y a certaines maisons que tu dois déménager. Ah oui, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des endroits où depuis que tu es rentré, ta vie est devenue bloquée. Alléluia. Tu dois commencer par te débarrasser de cette maison. Tu dois quitter cette maison. Tu dois déménager de cette maison. Oui, c'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur, il est possible aussi que nous puissions faire un travail spirituel pour purifier la maison. Ça, c'est vrai. Donc, je te montrerai comment il faut faire. D'accord? Lorsque tu te trouves dans une maison où tu sens, où tu comprends, où Dieu parfois même te parle, où Dieu te dit que non, cette maison, c'est une maison qui est hantée. La terre sur laquelle tu te trouves, c'est pas une terre bénie. Vous savez, il y a des terres, aussi longtemps que tu es sur cette terre-là, tu ne peux pas vivre la bénédiction de Dieu. Abraham était à Ur, Abraham était à Chaldée. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui dit, je vais te bénir. Mais la première des choses, tu dois quitter ta patrie. Tu dois quitter la terre de tes ancêtres et aller dans le pays où moi, je te montrerai. Et il dit, lorsque tu seras là, tu seras une source de bénédiction. Ma sœur, il y a des endroits que tu dois quitter. Il y a des terres que tu dois te déplacer, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Je me souviens encore lorsque nous sommes venus habiter notre maison, donc la maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je ne dormais pas. La nuit, j'étais troublé, j'étais tourmenté, j'étais dérangé. Il y avait un arbre juste derrière la maison. Cet arbre-là, à chaque fois que j'étais tout près de cet arbre, je voyais des présences maléfiques. Et je me suis arrangé avec ma femme et je dis, cet arbre doit être abattu. J'étais convaincu que cet arbre, c'était un lieu, un endroit où les esprits venaient se retrouver dans des réunions. Et je demandais à ce que cet arbre soit abattu. Le jour où nous avons abattu cet arbre, on a eu des problèmes avec le voisinage. Tout le voisin n'était pas d'accord pourquoi cet arbre a été abattu. Ils nous ont même appelé la police, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu t'imagines? Alléluia. Je dis aux policiers, mais pourquoi? C'est un arbre qui se trouve chez moi, donc j'ai le droit d'abattre cet arbre, j'ai le droit de garder cet arbre. Et c'est alors que Dieu me posa la question de savoir, est-ce que tu as déjà lu, qu'est-ce qui signifie le nom de ta rille? Je regardais le nom de Marie et je voyais que c'était fausse estrade. Et fausse, c'est quoi? Fausse signifie la fosse, donc le trou. Strate, c'est quoi? Donc la rue, c'est-à-dire que nous habitons dans une rue dans une rue qui est dans une fosse. D'accord? Et lorsque je fais des recherches pour voir, et j'ai compris que ici il y avait, je sais pas, un cimetière ou quoi, je ne sais pas, mais il y avait quelque chose de ce genre-là. Alléluia. Donc il fallait quoi? Il fallait faire un travail spirituel de prendre la possession de cet endroit. C'est le travail que je fais. Qu'est-ce que je fais, bien-aimé dans le Seigneur? J'ai commencé à parcourir le jardin la nuit et j'étais en train de prendre la possession du territoire. La Bible nous dit, tout le lieu où foulera la plante de tes pieds, l'Éternel Dieu te donne en possession. Tu dois être capable de prendre la possession de la terre dans laquelle tu te trouves. Si tu n'arrives pas, ma sœur, je te dis déménage. Alléluia. Regarde la santé de ta femme depuis que tu as acheté ce soi-disant maison. Ta femme est devenue malade. Avant, lorsque vous étiez dans une autre adresse, tout allait très bien. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette maison? Alléluia. Quel est l'esprit qui est en train de contrôler cette maison? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever dans la prière. Nous devons comprendre là où nous sommes, là où nous habitons. Si la maison est hantée, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons laver cette maison. Nous devons purifier la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Alléluia. Et oui, il y a des endroits que nous devons purifier. Les choses ne marchent pas depuis que tu es dans cette maison-là. Pourquoi? Alléluia. Je suis dans Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18. Je vais prendre le 24e verset, 24e verset et le 25e verset. La Bible nous dit, ne vous souillez pas. Par aucune, ne vous souillez par aucune de ces choses. Car c'est par toutes ces choses qui se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous.
Le pays a été souillé et je punirai son iniquité. Le pays vomira ses habitants. Alléluia. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que un pays peut être souillé. Il y a des pays, bien-aimé dans le Seigneur, qui sont sous la malédiction. Il y a des pays que Dieu lui-même a maudits. Il y a des terres que Dieu lui-même a maudits. Et supposons que cette terre-là, avant que toi tu ne viennes habiter cette maison-là, la maison appartenait à un sorcier. Et ces sorciers-là, ils faisaient des sacrifices dans cette maison. Donc qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Maintenant que le sorcier n'est plus dans cette maison, mais cet endroit est resté souillé. Toi, tu viens, tu habites la maison et tu es toute contente, bien-aimée dans le Seigneur. Non, le problème, c'est quoi? Lorsque nous voulons prendre possession d'une nouvelle adresse, un travail spirituel doit précéder. Tu ne peux pas aller habiter dans une maison sans au préalable prendre possession de cette maison. Alléluia. Et la Bible nous dit que la terre dans laquelle vous allez rentrer, c'est une terre que vous devez purifier. Pourquoi? Parce que les habitants de cette terre avaient déjà souillé la terre. Alléluia. Je ne parle pas simplement de la terre, je voulais même parler de certains dons, je voulais même parler de certains cadeaux, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous faut de le discernement de l'esprit. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui, il est même dans un avion, il dit, je ne veux pas descendre parce que la terre est souillée, la terre est souillée. Dieu ne me permet pas de descendre dans cette nation, d'aller dans ce pays. Il faut lire le livre d'Apocalypse, et bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Apocalypse, chapitre 18, le verset D. Alléluia. Il y a des endroits que Dieu lui-même parle. Il dit, Babylone, tu es devenu une habitation de démons. Donc, tu habites dans un endroit où les démons habitent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu auras des troubles dans ta vie. Tu auras des problèmes dans ta vie. Depuis que tu habites dans cette maison, c'est comme si elle présente une femme. Elle t'apparaît toute la nuit. Bien-aimé, tu la regardes, ce n'est pas de ta famille. Ah, c'est une blanche. Ah, c'est quelqu'un. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des esprits avec lesquels nous combattons, qui ne sont même pas de nos familles, qui ne sont même pas de nos enceintes, mais ce sont des esprits que nous appelons les esprits territoriaux. Donc ce sont des esprits qui sont responsables du territoire dans lequel tu habites. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, et ces esprits, tu dois les combattre, tu dois prendre possession du territoire à laquelle tu te trouves. Sinon, même tes prières auront du mal à avoir des exaucements. Parce que une fois que tu prieras, la réponse sera envoyée et l'esprit territorial se lèvera pour combattre la réponse à tes prières. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. De même des habitats, bien-aimé dans le Seigneur, des habitations, des bâtiments, bien-aimé dans le Seigneur, sont devenus des habitations des esprits. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important, surtout dans des hôpitaux, les hôpitaux psychiatriques, hein, là où on traite de personnes qui ont des problèmes mentaux. Or, si tu rentres dans ces genres d'établissements, si tu as l'oreille attentive, si Dieu te fait grâce de voir ce que les hommes ne peuvent pas voir, tu me diras, l'apôtre avait raison. Je suis rentré dans cet endroit-là, mais je sentais une atmosphère lourde. Je sentais la présence des esprits. C'est comme lorsque je suis dans une morgue. Je sens la morgue. Je sens la morgue. Je le sens même dans des hôpitaux. Tu sens que ici il y a l'esprit, l'ange de la mort est là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc voilà. Donc il est possible qu'une maison soit hantée. Il est possible qu'une personne puisse habiter une maison qui a été une maison funéraire. D'accord? Avant toi, cette maison-là était une maison de funéraire et les esprits avaient la possibilité de se rencontrer dans cette maison. Toi qui habites maintenant cette maison, qu'est-ce que tu dois faire? Bien-aimé dans le Seigneur, tu as la responsabilité de prendre la possession de cet endroit. C'est pas automatique parce que les enfants de Dieu, ils aiment bien des phrases automatiques. Tout le lieu que foulera la plante de tes pieds, l'Éternel te le donne. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne te donnera pas tout le lieu dans lequel foulera la plante de tes pieds. Tu dois le posséder, tu dois le prendre. C'est un processus, c'est un combat. Tu dois te lever et tu dois combattre ces esprits. D'accord? Ah oui, il faut les amener au tribunal. Avant, c'est eux qui habitaient, maintenant c'est moi qui habite. Montre tes droits, montre-leur qu'ils n'ont plus de droit de rester dans cet endroit-là. Et parfois, c'est après deux tribunaux, trois tribunaux, quatre tribunaux, et que tu auras le comment dirais-je, que tu auras. Je ne sais pas les termes juridiques que je voulais employer. D'accord? Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Il faut prendre la possession.
Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais te dire certains symptômes et qui nous montrent que cette maison est hantée. D'accord? Il y a beaucoup de signes, mais je vais te montrer certains de ces signes et qui nous montrent qu'une maison ou une habitation est possédée par des esprits maléfiques. Alléluia. Tu es dans une maison, bien aimé dans le Seigneur, depuis que tu es entré dans cette maison-là, tu es toujours malade. Tu es toujours craintif. Tu sens comme s'il y a, il y a des présences dans ta maison. Tu le sens. Parfois la nuit quand tu dors, tu vois comme s'il y a quelqu'un qui vient se mettre juste là devant toi et qui te regarde. Et quand parfois tu ouvres les yeux, la personne n'est pas là. D'accord? Parfois tu sens des portes claquer dans la maison. Donc tu sens, il y a des claquements de portes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des bruits étranges dans, chez toi à la maison. Alléluia. Cette maison est réputée. Oh, la personne qui habitait avant toi, et tu sais qu'il est mort par un suicide. Oh, ben, il y avait encore une autre famille qui habitait cet endroit-là. Le papa a tué sa femme dans la maison. Donc, il y a des histoires comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es dans de telles maisons, ma sœur, je voudrais te dire que tu as un travail à faire. Mon frère, je voulais te dire que tu as un travail à faire. Alléluia. La personne est tombée par escalier. Il y a toujours des accidents. Alléluia. Depuis que tu es rentré dans cette maison-là, tu connais une sécheresse. Mais comme tu ne peux pas expliquer, toi qui étais un homme prospère, toi qui avais de l'argent, toi qui avais des projets, mais depuis que tu as déménagé, tu es rentré dans cette maison-là, tu connais la sécheresse de tes finances. C'est comme s'il y a quelqu'un qui te vient visiter tes comptes en banque et prendre. Donc, tu n'as plus la bonne gestion de tes finances. Et pourtant, tu es réputé à la gestion, ma sœur. Alléluia. Je voulais parler à quelqu'un, ce sont des signes. Alléluia. Le chien aboie, aboie. Tu as un chien, mais il crie tout le moment. Il ne cesse pas de crier. Alléluia. Il aboie comme un fou, sans raison, il aboie. Ma sœur, je voulais te dire que tu dois prendre possession, de ta maison. Alléluia. Tu dois prendre possession de ta maison. Tu es marié avec un homme satanique, hein? un homme possédé par des esprits. Et il a invité ces esprits-là dans ta maison et vous habitez avec ces esprits. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est là, mais il n'a pas tout le contrôle de ta maison. Et ce sont les autres esprits qui partagent la gloire avec le Saint-Esprit. Donc le travail à faire est immense. Alléluia. Mais tu dois t'élever et faire ce travail. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà. Donc nous voulons dire à quelqu'un ce matin qu'il est possible que nous puissions habiter des endroits et qui sont hantés, des endroits qui sont possédés par des esprits. Et nous devons faire très attention parce que tout le jour, nous ne sommes pas comme nous sommes aujourd'hui. Il y a des moments où j'ai envie de prier ma sœur avant de dormir, mais je me sens épuisé, je suis fatigué. Qu'est-ce que je fais? Je dis, Seigneur, garde-moi, je m'endors en paix et que je puisse me réveiller en paix. Mais je n'ai pas eu le temps de faire des longues prières. Mais si tu es dans un mauvais endroit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas normal. Donc, l'ennemi va profiter pour venir encore te combattre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui fait qu'une maison devient hantée? Alléluia. Nous avons parlé des symptômes. Nous avons dit que il y a beaucoup de symptômes. Je vous ai dit, il y a des maladies que tu connais depuis que tu rentres dans cette maison. Il y a des bruits bizarres. Et dans tes rêves, tu rêves d'une femme qui vient te dire, pourquoi tu es venu habiter dans ma maison? Alléluia. Il y a une femme blanche. Il y a un homme blanc. Il y a un enfant qui te dit que lui, il est mort dans cette maison-là. D'accord, donc il a été sacrifié pour que ses parents puissent acheter cette maison-là. Donc il y a eu des sacrifices de sang, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu sens des sons bizarres. C'est comme s'il y a de présence. Parfois tu sens même le parfum d'une personne qui passe dans la maison. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tout cela demande à ce que qu'il y ait un travail spirituel qui soit fait. Quand je dis, comme je le disais tout à l'heure, nous croyons à tout le lait qui foulera la plante de tes pieds, l'Éternel te donne en possession. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois combattre pour prendre la possession de cet endroit qui a été hanté. D'accord, tu dois combattre. Et à certains endroits, bien-aimé dans le Seigneur, si tu combats et que tu trouves que ça ne marche pas, laisse cet endroit et cherche un autre.
un autre endroit va remettre cette adresse auprès de son propriétaire. Dis-lui, non, je vais changer. Même si tu avais acheté la maison, tu peux changer, tu peux vendre encore cette maison. Tu n'es pas obligé de rester dans cette maison-là. Je connais des gens qui ont acheté la maison. Après 2 mois, 3 mois, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une mauvaise affaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais le vendre, même si je perds quelque chose, mais au moins que j'aille habiter là où je me sentirai à l'aise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas perdre de l'argent, c'est vrai, mais au moins tu auras ta vie. L'argent n'est pas plus important que ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu dois rester dans un endroit que toi-même tu sais que cet endroit n'est pas bon? Cet endroit n'est pas bon. Alléluia. Tu ne peux pas rester dans cet endroit-là. Tu as le droit de déménager. Tu as le droit d'aller voir le propriétaire. J'ai un de mes fils qui change tout le temps des adresses. Quand il voit qu'ici, ça ne va pas, eh ben, voilà, il change des adresses. Il dit, d'accord, je vais changer. Alléluia. Tu peux faire comme lui, ma sœur. Tu peux faire comme lui. Non, que tu peux briser le contrat et tu peux aller dans une autre adresse. Tu peux lui dire que donc la maison ne me convient pas, même si tu l'avais acheté, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, Dieu parle à Abraham, il dit, quitte cet endroit, va dans un autre endroit et je te bénirai. Il y a des endroits qui ne sont pas favorables, il y a des pays qui ne nous sont pas favorables. Tu étais en Afrique, un courageux, tout ce que tu faisais réussissait, mais depuis que tu es venu dans ce pays-là, rien ne t'est réussi. C'est comme si le ciel est bloqué, c'est comme si le ciel est fermé au-dessus de toi. Il n'y a rien qui ne marche. Tu fais de prière, c'est comme si le prière ne monte pas. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à regarder la maison ou la terre sur laquelle tu es en train d'habiter. Si tu habites une habitation de démon, il ne te sera pas favorable, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que tu quittes cet endroit et que tu changes cet endroit. Ou bien, il faut que tu puisses prendre possession de cet endroit. Comment, bien-aimé dans le Seigneur? Oui, c'est vrai que c'est par la prière, mais ce n'est pas une petite prière. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des dimensions et des dimensions de démons. Il y a des catégories et des catégories de démons. L'apôtre nous dit, nous luttons contre des principautés de domination. Ce n'est pas de la même manière que tu dois combattre les autorités, que tu combattras aussi les dominations. Alléluia. Qu'est-ce qui fait qu'une maison ou une habitation soit hantée? C'est ça la question que tu voulais me poser. Ma sœur, regarde-moi. La Bible nous dit, Lévitique 18, le pays a été souillé. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? À cause de l'iniquité. Alléluia. Le péché des habitants de cet endroit-là, les gens qui ont habité cet endroit-là, l'ont souillé. D'accord? Et leur pratique, ce qu'ils faisaient, des séances de vaudou. Alléluia. Et tu habites une maison où les gens qui habitent l'endroit, ils ont fait des incestes. Ils ont fait des adultères. C'est comme la maison de Marc dit tout. Quelqu'un qui le vend, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont du mal à aller acheter cette maison parce que il y a une histoire. Et cette maison a une histoire. Est-ce que tu as déjà demandé le vieillard qui habite à côté l'histoire de l'endroit où tu es en train d'habiter aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà demandé à ton voisin qui habitait ma maison avant que moi je ne vienne habiter? Est-ce que tu l'as déjà demandé qui était mort dans cette maison-là avant que toi tu viennes acheter cette maison? Pourquoi cette maison t'a été vendue à moins cher? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il voulait se débarrasser à tout prix de cette parcelle? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ah, toi, tu te réjouis, ah, je l'ai acheté moins cher, ah, je fais une bonne affaire. Charnellement, physiquement, oui, tu as fait une bonne affaire, mais spirituellement, est-ce que tu as fait une bonne affaire? Alléluia. Est-ce que spirituellement, tu as fait une bonne affaire, ma sœur? Le problème, ce n'est pas le charnel. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Est-ce que ton esprit est tranquille? Depuis que tu habites cet endroit, est-ce que ton esprit est tranquille? Jérémie chapitre 3, le verset 9. Alléluia. Il y avait des prostituées. Alléluia. Et la Bible nous dit, elle a sué le pays. La prostituée a sué le pays. Elle a commis un adultère et avec des pierres et des stocks. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Donc, sur la maison, donc tu vis avec un homme qui vit dans l'inceste, un homme qui vit dans le pratique satanique, un homme qui fait les abominations, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui fait qu'un endroit soit maudit. Alléluia. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas simplement de maisons. Je parlais aussi des cadeaux. Toi qui aimes bien les cadeaux. Ah non, ça c'est mon ex qui m'a donné cette chaîne et que tu continues à porter, bien-aimé dans le Seigneur. Il t'a donné cette chaîne. Pourquoi? Il garde le contrôle sur toi à cause de cette chaîne. Alléluia.
Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, ces choses, nous devons avoir le discernement des esprits. Il y a des choses avec lesquelles nous sommes en possession, et ces choses aussi peuvent être hantées, ces choses aussi peuvent être suées de la même manière que la maison. Et voilà, bien aimé dans le Seigneur. Et je vous ai donné les symptômes, d'accord? Mais maintenant, alors, avant que nous puissions rentrer dans la prière, je voudrais te montrer comment tu pourras prier, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, tu ne t'introduiras pas dans une maison où il y a des abominations. Deutéronome chapitre 7, le verset 26. D'accord. Et la Bible nous dit, cette maison sera une chose maudite. Donc, je dis Deutéronome, chapitre 7, le verset 26. Qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé dans le Seigneur, pour nettoyer? Alléluia. Pour purifier cet endroit. Alléluia. La première des choses, bien-aimé dans le Seigneur, commence à te débarrasser de tous les objets maudits qui sont dans l'endroit. Commence à te débarrasser de toutes les mauvaises choses qui sont dans cet endroit. Si tu as des pentacles, bien aimé dans le Seigneur, et si tu as des livres occultes, et si tu as de boules de cristal, si tu as il y a des dessins de nouvel âge, et bien aimé dans le Seigneur, tu peux repeindre la maison, effacer un peu tous les décors, tous les dessins que tu vois là. Et tu peux les il y a des statues que tu vois dans la maison là, tu dois les détruire. Alléluia. Des choses qui ont été utilisées pour glorifier Satan se trouvent dans cet endroit-là et il faut repeindre, il faut le détruire, il faut le démolir. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Et voilà. Donc, de la même manière, bien aimé dans le Seigneur, avant de chasser un esprit impur dans la vie d'une personne, nous devons détruire le droit juridique dans la vie de cette personne-là. Donc, le diable ne peut pas travailler sans base de droit juridique. Donc, un démon doit opérer là où il trouve des bases juridiques, donc qui lui permet d'exercer son ministère, c'est-à-dire que d'exercer sa domination. D'accord? Alors, quand nous venons, qu'est-ce que nous faisons? Avant de le chasser, nous décisons tout d'abord le droit juridique, nous le brisons. Et après, on dit à l'ennemi, tu peux partir. De la même manière, commence un peu à chasser, commence un peu à détruire des images qui représentent l'ennemi dans ta maison, dans cette maison qui est hantée. Et la deuxième des choses, je voudrais que tu puisses faire, c'est quoi? Je voudrais que tu puisses prendre un verre d'eau. Tu prends un verre d'eau et tu pries, bien aimé dans le Seigneur. Tu déclares, tu dis ce verre d'eau, je le transforme en sang de Jésus. D'accord? Ou bien une bouteille. Et tu déclares, tu dis, Seigneur, je prie que cette eau soit changée par le sang de Jésus. De la même manière que le vase qui était devant le noce de Cana ont été changés en vin. Étends ta main, Seigneur, et change cette eau par le sang de Jésus. Et partout où je vais les jeter, partout où je vais les jeter, et que le miracle arrive. Et que ton sang opère, et tu fais ce genre de service, ne le fais pas une fois, bien aimé dans le Seigneur, fais-le deux fois, fais-le trois fois, fais-le quatre fois, fais-le cinq fois, fais-le jusqu'à ce que tu sois convaincu que maintenant, la maison est devenue pure. Voilà, donc là aussi, c'est un travail que nous pouvons faire, et si nous faisons ce travail, Dieu va répondre, et tu verras que la maison ou l'habitation qui était hantée, la terre qui était hantée, est devenue pure. Donc c'est comme les hommes de la ville de Jéricho, ils sont venus voir le prophète Élisée, ils l'ont dit, comment dirais-je, le séjour dans la ville est agréable, mais il y a une sécheresse, alléluia, et il y a des morts qui sont prématurément dans nos familles, donc il y a des naissances de gens qui devaient naître, mais ils sont pas nés, ils sont morts prématurés, il y a de fausses couches, il y a des avortements, bien aimé dans le Seigneur, et l'homme de Dieu a demandé qu'on puisse l'apporter quoi? Un plat vide, on l'a mis du sel. Et c'est alors qu'il a déclaré de parole, il a assaini la terre de Jéricho, et depuis ce jour-là, il n'y a pas eu de mort. Bien aimé dans le Seigneur, donc un travail spirituel doit être fait. Si tu n'arrives pas à le faire, cherche un homme de Dieu. Quand je parle d'un homme de Dieu, je ne parle pas simplement de ton cousin, je ne parle pas simplement de l'enfant de ta tante, je ne parle pas du sœur avec qui tu pries. Non, je parle d'un vrai homme de Dieu, quelqu'un qui a été oint par Dieu, quelqu'un qui a le mandat de Dieu, quelqu'un que Dieu a établi, et cette personne-là pourra venir ensemble. Vous allez prier et Dieu va répondre à la prière de son serviteur. Voilà ce que je voulais partager avec nous ce matin avant que nous puissions rentrer dans la prière. Donc, le travail doit être fait chez toi à la maison.
Ne dis pas que j'ai déjà appelé une personne, il était venu prier quand nous sommes rentrés, et mais voilà, je ne comprends pas pourquoi. Non, bien-aimé dans le Seigneur, la prière fervente de juste a une grande efficacité. Donc, les hôtels territoriaux aussi habitent parfois la maison, donc ces hôtels doivent être démolis. Donc, quand il s'agit de ces hôtels, que Dieu t'a révélé qu'il y a des hôtels, comme je dis là, les images de peinture, des statues, toutes ces choses doivent être démolies parce que les hôtels, souvent, sont représentés par des représentations matérielles. Il y a certaines représentations matérielles que tu vois quelque part, tu dis, non, ça, je verrai pas que ça soit là. Je vais le détruire, je vais le chasser. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons élever nos voix pour lui dire encore merci. Merci pour la révélation de sa parole. Élève ta voix là où tu es, ma sœur. Commence à dire merci à Dieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix. Alléluia. Tu es né de Dieu. Alléluia. Tu dois triompher du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Alléluia. Ce matin, je vais attendre quelqu'un qui remercie Dieu. Élève ta voix et commence à remercier le Seigneur. Dis-lui merci. Merci pour sa parole. Alléluia. Remercie-le, bien-aimé dans le Seigneur, pour sa parole. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, et commence à dire merci à Dieu. Alléluia. J'attends quelqu'un qui dit, Seigneur, je viens te remercier. Je viens te remercier ce matin pour cette parole que tu m'as donnée. La révélation de ta parole m'a éclairé. Elle m'a donné de l'intelligence. Alléluia. Je viens te dire merci, 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 Seigneur Jésus. Merci pour la révélation de ta parole. Merci parce que j'ai compris qu'il y a des maisons, il y a des endroits qui sont hantés. Alléluia. Il y a des endroits où lorsque nous arrivons, nous devions prendre possession. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, 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 merci. Alléluia. Commence à lui dire merci, ma sœur. Dis-lui merci, dis-lui merci pour la révélation que tu as reçue ce matin. Dis-lui merci, ma soeur. Dis-lui merci. Alléluia. J'attends quelqu'un qui bénit le nom du Seigneur. J'attends quelqu'un qui dit merci à Dieu. Dis-lui merci, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, nous lui disons merci pour sa fidélité et sa grâce. Commence à dire merci à Dieu. Dis-lui merci pour sa fidélité. Oh, dis-lui merci pour sa grâce. Le Dieu qui est fidèle, fidèle à ses promesses, fidèle à sa parole. Oh, quand tu le déclares quelque chose, sa bouche le déclare, mais la main l'accomplit. Dis-lui merci, dis-lui Seigneur, même lorsque je suis infidèle, toi tu demeures fidèle. Je voulais te dire merci, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Ta fidélité durera toujours. Alléluia, merci Seigneur, merci, 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 merci. Merci de m'avoir accordé la grâce de naître de nouveau. Alléluia, merci de m'avoir accordé cette grâce de t'avoir reçu dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour cette grâce. Merci. Merci pour la grâce de m'avoir aimé. Moi qui étais perdu par mes péchés, mais toi tu m'as aimé. Moi qui étais errant, moi qui n'avais pas une destinée, mais tu m'as donné une destinée. Ma destinée était la mort éternelle. Mais toi tu es venu et tu m'as sauvé afin que je ne périsse plus, mais que je puisse avoir la vie éternelle. Oh, je te dis merci pour ta grâce. Alléluia. Élève ta voix, ma sœur. Commence à lui dire merci. Dis-lui merci pour la grâce. Alléluia, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce de le connaître. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Élève-lui, bien-aimé dans le Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Le victorieux, le victorieux, le ressuscité du troisième jour. Alléluia, alléluia. Le vainqueur des batailles invisibles et visibles. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous sommes en train de glorifier le nom de Jésus-Christ et de Nazareth, en celui qui a triomphé sur le diable, en celui qui a triomphé sur les occultismes, en celui qui a vaincu le sorcier et les satanistes. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier, en demande-lui son sang, dis-lui Seigneur, purifie-moi par ton sang. Ah non, j'entends quelqu'un qui dit Seigneur Jésus. Purifie-moi par ton sang, purifie-moi par ton sang, que ton sang purifie mon âme, que ton sang purifie mon corps, que ton sang purifie mon esprit, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Or, je trempe ma vie dans ton sang, que ton sang me lave, que je sois marqué par ton sang, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui dit, Seigneur Jésus, efface le marque de la sorcellerie qui est sur ma personne, efface-le par ton
sang, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, nous sommes en train d'évoquer le sang de Jésus. Alléluia. Commence à évoquer le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus. Alléluia. Commence à invoquer le sang de Jésus. Ah, nous invoquons la puissance du sang de Jésus-Christ dans ta vie. Oh, appelle le sang de Jésus. Dis le sang de Jésus. Ah, je t'appelle dans ma vie. Viens opérer dans ma vie. Oh, viens opérer dans ma vie. J'ai besoin de toi. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, nous sommes en train d'invoquer le sang de Jésus. La Bible dit, cette nuit-là, je passerai. Hein. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Hein. Il n'y aura pas de pleurs qui vous détruisent. Hein. Commence à invoquer le sang de Jésus. Dans ta maison, tu invoques le sang de Jésus. Dans ta chambre à coucher, tu invoques le sang de Jésus. Toi qui es au volant de ta voiture, est-ce que ce matin, tu peux invoquer le sang de Jésus? Ah, j'entends quelqu'un qui invoque le sang de Jésus ce matin. Ah, j'entends une femme qui invoque le sang de Jésus-Christ sur la vie de ses enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, commence à invoquer le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus. Alléluia, que ta journée soit couverte par le sang de Jésus. Oh, quelqu'un dit avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de la couverture de ton sang. Couvre-moi par ton sang, couvre mon âme, couvre ma vie, couvre mes bénédictions. Alléluia, couvre-nous par ton sang, Seigneur, couvre la vie de ma femme, couvre la vie de mes fils, la vie de ma fille, couvre-nous par ton sang, le sang de Jésus-Christ et de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin de ton sang. Seigneur, nous te prions pour la couverture de ton sang. Oh, j'envoie ton sang dans mon lieu du travail. Oh, nous envoyons ton sang, Seigneur Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus? Répète-le encore avec moi, Seigneur Jésus. Alléluia, dis-le encore, Seigneur Jésus. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, de marcher sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Par l'autorité que tu m'as donnée, je me lève maintenant et je détruis tout serpent, tout ce qui est des serpents dans mon corps, alléluia, et dans ma maison, alléluia, dans mon lieu de travail, je détruis les serpents invisibles, les serpents spirituels qui contrôlent mon environnement et qui sont tout autour de moi, qui sont à moi, je le détruis maintenant par le pouvoir que tu m'as conféré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis tout serpent, tout scorpion et tout ce qui est des ténèbres en moi, tout ce qui est de mauvais sort, alléluia, commence à les détruire maintenant, au nom puissant de Jésus, tout serpent qui opère dans ton corps, le serpent qui vient détruire tes enfants dans ton ventre, et commence à les détruire maintenant, et qu'ils tombent et qu'ils meurent, et qu'ils soient coupés par le paix du Saint-Esprit, les scorpions qui sont dans ta maison, invisiblement ils sont présents, nous sommes en train de le tuer. Maintenant, nous sommes en train de les détruire maintenant. Et tout animal maléfique, et tout ce qui est des ténèbres, je le détruis dans ma vie, je le détruis dans mon corps, je le détruis dans ma maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je détruis tout ce qui est des serpents dans mon corps, je détruis tout ce qui est des serpents dans ma famille, et je détruis tout ce qui est des sorciers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est des ténèbres dans ma vie, je commence à les détruire maintenant. Ah, j'entends quelqu'un qui dit avec moi, je détruis tout le mauvais sort qui a été jeté sur ma vie depuis le sang de ma mère jusqu'en ce jour. Je le détruis maintenant et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, commence à détruire maintenant. Allez, commence à détruire le mauvais sort. Ah, j'entends quelqu'un qui est en train de détruire le mauvais sort. Ah, j'entends quelqu'un qui est en train de détruire la magie noire, la magie blanche, la magie rouge, la sorcellerie et toutes les sciences occulte, commence à les détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui prie ce matin. Ah, quelqu'un qui prie ce matin. Seigneur Jésus, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me détruire. Par l'autorité que tu m'as donnée, je détruis maintenant. Je détruis maintenant tout ce qui est du serpent. Je détruis maintenant tout ce qui est du scorpion. Je détruis maintenant tout ce qui est des ténèbres. Je détruis maintenant
maintenant le mauvais sort. J'annule les envoûtements dans ma vie. J'annule les envoûtements dans ma vie. J'annule toute parole de malédiction qui a été prononcée contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis la magie noire dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis la puissance de la sorcellerie de mes ancêtres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis toute science occulte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, allez continuer à détruire ce matin. J'entends quelqu'un qui monte avec moi dans la prière. J'entends quelqu'un qui prie. Alléluia. La prière fervente de juste a une grande efficacité. Ne t'arrête pas, continue ma sœur. Ne t'arrête pas, continue ma sœur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends quelqu'un qui dit avec moi, je renverse. Non, j'attends quelqu'un qui dit, je renverse. Et toute forteresse de l'ennemi est contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le dire encore avec moi, je renverse la forteresse de l'ennemi qui a été établie contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ, la forteresse de l'ennemi contre mon mariage soit renversée ce matin. Je localise et je renverse et toute forteresse de l'ennemi contre ma vie, contre ma famille, contre mon ministère, contre mon église. Je me lève ce matin et je renverse toute forteresse de l'ennemi contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allez, commence à renverser ma sœur. La forteresse de l'ennemi contre ta vie, contre ta maison, contre ton ministère, contre tes projets, contre tout ce qui te concerne, de près ou de loin, forteresse maléfique. Je t'ai détruit ce matin, je t'ai démoli ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, allez, commence à détruire maintenant. Alléluia, commence à détruire maintenant. Je détruis la forteresse de l'ennemi et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Allez, commence à renverser le forteresse. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Allez, commence à renverser le forteresse. Au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit avec moi, je triomphe du monde au nom de Jésus. Ah non, j'attends quelqu'un dit, je triomphe du monde au nom de Jésus-Christ. Je triomphe du prince des ténèbres qui soumet ce monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je triomphe du péché et de la mort au nom de Jésus-Christ. Je suis vainqueur de la mort, je suis vainqueur du péché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En quelqu'un dit avec moi, je triomphe de la maladie héréditaire. Maladie héréditaire, tu n'as plus de pouvoir sur ma vie, tu n'as plus de droit juridique sur ma vie, tu n'as plus de raison de rester dans ma vie. Prends tes affaires et va dans le ténèbre. Maladie héréditaire, je triomphe sur toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maladie incurable, je triomphe sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maladie mystique. Maladie mystique. Maladie satanique. Maladie démoniaque, je triomphe sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je triomphe sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je triomphe sur toi. Oh, alléluia. Je triomphe sur toutes les mauvaises pensées. Le pensée qui ne vient pas de Dieu. Le pensée qui me vient droit de l'enfer. Je triomphe sur toi au nom de Jésus-Christ. Le pensée du suicide. Le pensée de l'échec. Le pensée de l'alcoolisme. Et toutes les pensées négatives. Je triomphe sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je prophétise que je triomphe sur toi. Allez, répète-le, ma sœur, répète-le. Alléluia, quelqu'un, j'attends quelqu'un qui dit je triomphe de la femme de lui. J'entends quelqu'un qui dit je triomphe de mari de lui. J'entends quelqu'un qui prie ce matin. Déclare-le, ma sœur, déclare-le, continue à déclarer. Continue à déclarer que tu triomphes des femmes spirituelles. Tu triomphes de mari spirituel. Tu en fais de mari de nuit, de femme de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je triomphe de tout envoûtement.
Ah non, tu attends quelqu'un qui dit, je triomphe de tout envoûtement, je triomphe de tout enchantement, les enchantements dans ma belle famille, les enchantements dans ma vie, dans, quel que soit l'enchanteur, quelle que soit la personne qui est enchantée, j'annule les enchantements dans ma vie, je triomphe de tout enchantement au nom puissant de Jésus, je triomphe de tout envoûtement au nom de Jésus-Christ, et je triomphe de toute divination au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ah, je triomphe sur toi, Satan. Au nom de Jésus, le péché, tu n'as plus de pouvoir sur ma vie. Tu as été vaincu à la croix. Je déclare et je confesse que Jésus-Christ est dans ma vie. Ah, je déclare et je confesse Jésus-Christ a le contrôle de ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quelqu'un dit avec moi tout le lieu que foulera la plante de mon pied, l'Éternel Dieu me donne la possession. Je prends la possession de ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends la possession de la maison de mes parents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends la possession de mon église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je donne l'ordre aux principautés, aux dominations, aux pouvoirs maléfiques, au pouvoir de mes ancêtres, à la sorcellerie de mes communes. Je vous parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous déloge de l'endroit où je me trouve, dans l'endroit où j'habite, dans l'endroit où mon ministère est placé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, commence à prendre possession. Allez, commence à prendre possession. Oh, du lieu où tes pieds ont fui. Prends la possession maintenant. Commence à déloger les habitants de ce lieu invisible. Oh, je déloge les habitants invisibles de mon appartement. Je vous donne l'ordre de quitter le territoire. Je prends la possession de ce territoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends la possession. Je prends la possession. Oh, je prends la possession. Oh, bien-aimé, prononce la parole de Dieu comme qui est plus tranchant qu'un épée, bien-aimé, dans le Seigneur. Que la parole de Dieu soit avec toi. Commence à prendre la possession maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prendre un verre? Est-ce que tu peux prendre un verre? Est-ce que tu peux prendre un verre? Est-ce que tu peux mettre de l'eau dans ce verre? Et nous allons déclarer de parole au-dessus de cette parole. Nous allons déclarer de parole sur cette verre d'eau. Apprends le verre d'eau, bien-aimé dans le Seigneur, et mettez-y de l'eau dans l'intérieur. Et nous allons prier maintenant que cette eau change par le sang de Jésus. Alléluia. Non, j'entends quelqu'un qui fait ça. Ah, j'entends quelqu'un qui prend la bouteille d'eau. Oui, tu peux prendre un verre, tu peux prendre une bouteille. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons utiliser cette bouteille d'eau. Nous allons prier maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons prendre? Est-ce que nous pouvons prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Nous allons demander à Jésus-Christ que l'eau puisse représenter son sang. Oh Seigneur, à partir de maintenant, laisse que cette eau puisse représenter ton sang partout où je jeterai cette eau dans ma maison. Prends la possession au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, commence à jeter cette eau maintenant. Allez, commence à jeter cette eau maintenant. Allez, commence à jeter cette eau maintenant. Aucun esprit ne va résister à tes prières. Prends la possession. Ah, j'entends quelqu'un qui ordonne. J'ordonne à tout esprit qui ne parle Saint-Esprit de libérer cet endroit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à tout esprit qui n'est pas le Saint-Esprit de libérer cet endroit au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Or, quelqu'un dit avec moi, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Ah non, tu l'as pas bien dit. Tu es avec moi, je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Est-ce que tu peux lui dire encore, je suis plus que vainqueur? Au nom de Jésus-Christ, ma vie change. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, mon identité change. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'avance, je ne recule plus, je ne tourne plus à Rome. Au nom de Jésus-Christ, j'avance dans ma vie.
je ne recule plus dans ma vie, je ne tourne plus en rond, au nom puissant de Jésus, j'avance, au nom puissant de Jésus, je vais vivre le bonheur, je vais vivre la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ, je témoigne la grandeur de Dieu, je témoigne la fidélité de Dieu, dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus-Christ et les Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui dit avec moi, je ne serai plus victime de mes ennemis. Non, je ne serai plus victime de mes ennemis. Non, je ne serai plus victime de mes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ et les Nazareth. Alléluia. Écoutez-moi. Écoutez-moi, nous sommes arrivés quasiment à la fin. Et tu vas dire avec moi, et tout ce que je récite est négatif. Tout ce que je récite est négatif jusqu'ici, et tout ce qui provient de la sorcellerie, tout le mauvais cadeau que j'ai reçu du diable, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, que cela soit détruit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tout ce qui provient du diable, et tout ce que j'ai reçu de négatif dans ma vie, alléluia, tout ce que j'ai reçu de négatif provenant de forces maléfiques, de forces des ténèbres et qui agit dans ma vie, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu l'avais reçu peut-être par ignorance, détruis-les au nom puissant de Jésus. Tout ce que j'ai détruit de monde, j'ai reçu de monde des ténèbres, que cela soit détruit dans ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et les Nazareth. Est-ce que quelqu'un dit avec moi que tout ce que le diable m'a volé, que tout ce que le diable m'a volé, alléluia, soit restauré dans ma vie, soit restauré. Or, tout ce que le diable a égorgé, soit restauré dans ma vie. Que tout ce que le diable a volé, tout ce que les sorciers ont volé, en soit restauré dans ma vie, soit restauré dans ma vie, alléluia, soit restauré dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Ah, nous sommes en train de prier, bien aimé dans le Seigneur. Lève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Dis-lui merci, Seigneur, tu as ajouté une nouvelle journée dans ma vie. Que cette journée soit pour moi un sujet de joie. Je te bénis pour la journée d'aujourd'hui. Oh, je sais que tu seras avec moi, Seigneur. Tu es avec moi et tu continueras avec moi. Cette journée est pour moi une très bonne journée, une journée de réussite, une journée de victoire. Ah, je bénis ton Saint-Nom, je te dis encore merci. Merci, tendre Père, merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci pour tes oreilles qui ont été attentives à ma voix. Sois béni, sois glorifié. Oh, toi, le Dieu de ma vie. In Jesus' name, amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le Roi des Rois. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia, gloire à Dieu, merci, glory to God, alléluia, alléluia, blessed be the name of the Lord, alléluia, merci, 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 merci. Ok, voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin, à la fin, à la fin, à la fin de ce beau moment intense de prière. Alléluia, que Dieu te bénisse encore. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, et ce sont de pratiques spirituelles. Voilà, il faut pas avoir peur que l'apôtre puisse demander que tu puisses prendre une bouteille d'eau ou de l'eau, le mettre dans un récipient pour prier. Non, il faut pas avoir peur, bien aimé dans le Seigneur. Parfois, les choses marchent avec des pratiques spirituelles comme ça, donc c'est très important. C'est pas que le diable qui le fait, nous, les enfants de Dieu aussi, nous devons le faire. Donc voilà. Donc c'est pas contraire à la pensée de Dieu, c'est même dans la Bible que nous trouvons ce genre de pratique. Et donc si nous le pratiquons, il ne faut pas avoir peur, il faut le faire et croire que Dieu est capable de faire des grandes choses dans ta vie. Voilà. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Nous nous donnons rendez-vous demain. Nous nous donnons rendez-vous demain. Sinon, tout à l'heure, pour ceux qui seront avec nous dans le temps que nous passons dans le séisme de prière, à partir de 10h jusqu'à 12h, nous avons un temps des séismes de prière, un temps très fort de la prière. Et ça se passe où? Ça se passe à la Divine Alliance. Nous sommes sur chaussée d'Ath numéro 421, à la commune de Skarbek, chaussée d'Ath numéro 421 à la commune de Skarbek. Donc nous serons là à partir de 10h jusqu'à 12h pour la prière forte, et les entretiens vont commencer à partir de 12h, de 12h jusqu'à 17h, nous terminons les entretiens. Et ce soir nous avons aussi prière dans notre église, donc à partir de 18h jusqu'à 20h.
Voilà, donc j'annonce aussi que bientôt, donc je veux le dire, dans quelques jours, donc le début du mois de novembre, nous commençons notre jeûne de 21 jours. Donc voilà, donc notre jeûne de 21 jours, ça s'annonce. Et cette semaine, nous sommes en retraite. Donc la retraite a déjà, donc va bientôt commencer. Donc ça commence, c'est vendredi. Le vendredi, nous serons en retraite, la retraite sur le blessure spirituelle et avec la servante de Dieu, Maman Ambroisine Petit et la servante de Dieu, Pasteur Honorine Isao. Donc voilà, donc elles seront de l'autre et nous allons passer des très bons moments dans le Seigneur. Moi aussi, je serai là, bien que je ne sois pas intervenant dans le programme. Je vous invite à être là pour bénéficier et surtout pour passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Voilà, c'était bien votre frère, l'apôtre Bolavi Isao, le mari d'une seule et unique femme, sans l'intention de divorcer. Papa d'Archange, papa d'Adonai, papa d'Azaria, papa d'Asnath, voilà, papa de tous, que Dieu vous bénisse, le petit frère de tous ceux qui sont plus vieux que moi, le grand frère de tous ceux qui sont plus jeunes que moi, le père spirituel de ceux qui Dieu m'a donné comme enfant spirituellement, je vous aime, que Dieu vous bénisse, à très bientôt, merci, au revoir.